Bonjour, bonjour à tous, votre impacteuse toujours. Garçon qui te frappe en été, c'est normal que ses bagages se retrouvent dehors. Mais le garçon aussi, l'homme avec lequel tu vis, qui te frappe en hiver, c'est tout à fait normal que ses bagages se retrouvent dans la neige. Bagages là même là. Peut-être, bon, ici là, nous on est dans un quartier résidentiel, tu peux pas mettre ça devant. Tu mets en arrière ici, dans le jardin. Près de la piscine, mais près du spa, tu déposes ces bagages-là. Voilà. Nous autres, là, on n'est pas là pour attendre les buzz pour vous donner des conseils sur la violence conjugale. Oui, les hommes ont eu cette phrase-là. Elle a mis mes bagages dehors en hiver, mais on a mis tes bagages dehors en hiver. Tu as fait quoi? Donc, si tu as frappé en hiver, là, c'est en hiver dans la neige, tu as retrouvé tes bagages. Les femmes, moi, je suis là pour vous dire ça. Peut-être ailleurs, on vous dit non, il faut faire ça. Moi, je ne suis pas là pour ça. Les hommes violents, là, mettez ça dans leurs yeux. J'ai dit que les femmes en Afrique n'ont pas le choix. On fait de l'écoute chaque jour. Des milliers de femmes qu'on a écoutées depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. En Afrique, là, il n'y a pas solution pour vous là-bas. Je suis désolée de vous dire ça. Même on vous frappe, vous partez dans les commissariats, là. Il n'y a pas de choya pour vous là-bas. Mais en Occident, toi, tu vis avec l'homme. Et puis lui te frappe. J'ai dit, un homme qui te frappe, qui te menace chaque jour dans la maison. Quand je dis menace là, ça dit atteinte même à ta vie. Oui, parce qu'il y a des hommes qui te menacent pour dire qu'ils vont te faire du mal. Appelle la police contre lui. Appelez la police contre ces hommes violents là. Ne les tolérez pas. Ce temps est passé où on dit non. Oui, c'est dans le fait des non. Comme il m'envoyait, je vous ai dit de sortir dans comme il m'envoyait. Personne ne doit exercer la violence sur quelqu'un dans le foyer. Hein, sous prétexte que c'est lui qui t'a envoyé. On n'est plus là pour ça. Donc voici l'hiver qui est arrivé là. Garçon te frappe dans la maison, appelle la police contre lui. Oui, appelez la police contre un mari violent, contre un partenaire violent. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Je dis qu'il y a des hommes violents avec lesquels on ne peut pas discuter. Il y a des hommes violents. C'est pas, ça dit que les hommes qui ont cette violence-là en eux là. Ils ont déjà eu les germes de la violence depuis leur enfance. Vous croyez que vous allez changer ces hommes-là? On ne change pas ces gens de personnes-là. Donc, quand tu vois que tu vis avec cet homme-là, il a exercé la violence sur toi une première fois, tu mets une limite. Moi, je suis là, les femmes, pour vous dire, apprenez à baliser, ça dit que vos limites, mettez vos limites. Pour dire ça, je te tolère aujourd'hui, mais la prochaine fois, il ne faut pas tolérer ça. Arrêtez, ça dit que de tout justifier la violence par le fait que comme c'est moi qui lui ai fait ça, non, j'ai fait ça. C'est pas comme ça les affaires se règlent. J'ai dit que en Occident, nous sommes des femmes chanceuses. Oui, vous voulez pas entendre ça, mais c'est la réalité. Vous avez la police avec vous, vous avez le droit qui est là. Oui, c'est sûr que si vous abusez, arrivez là-bas, on va savoir que vous abusez. Mais la vérité, elle est que tu ne dois accepter la violence d'un homme. Un homme qui te frappe dans la maison, un homme qui te menace au quotidien, tu appelles la police. La police, là, quand il va être dehors, là, il va prendre. Il y a des gens ici au Canada, ils avaient dit qu'ils étaient Django. Mais quand on a appelé la police sur eux, là, c'est depuis là-bas, là, il a loué délégation pour demander pardon. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore frappé. Donc, appelez la police contre les hommes qui sont violents envers vous dans les maisons. Ne tolérez pas. Ici, on n'est pas au village. Hein? C'est au village là-bas, les femmes subissent. C'est en Afrique, malheureusement, les femmes subissent. Elles n'ont pas le choix. Il n'y a aucun système qui est là pour les protéger. Ici, là, en Occident, vous avez le système avec vous. Oh que oui. Le système est là pour vous protéger contre ces énergumènes-là, ces espèces qui ne veulent pas s'ajuster dans leur société. Ils pensent que nous sommes du temps du Mathusalem où les hommes se croyaient tout permis. Donc, femme, l'homme qui t'a frappé en hiver, mets ses bagages dehors. Ça chauffe pas. Tout ce que vous allez dire, ce n'est pas mon problème. Moi, là, je ne sais pas si c'est Biden ou bien Trump qui va gagner. Dans tous les cas, j'ai prié Dieu pour que ce soit Biden. Je vais aller fêter mes 19 ans de mariage aux États-Unis. Et puis, comme je vous dis, ça n'enlève rien à ma vie. Donc, garçon qui t'a frappé en hiver, faut pas avoir pitié. Mets ces bagages dehors en hiver. Ciao.